L'idée du projet, c'est de récupérer une parcelle qui existe déjà dans la grande couronne de Mons et d'utiliser cette dernière pour démontrer à la population montoise comment est-ce qu'on peut créer des projets en lien avec l'agriculture, et ce avec des ateliers participatifs, de la sensibilisation via les problématiques environnementales et autres, et de créer un lieu de vie où tout le monde peut apprendre autant des choses techniques qu'un savoir-vivre qui est essentiel à notre époque. Et également une reconnexion entre les générations, entre les différentes classes sociales, pour une meilleure cohésion au niveau des, on va dire, des participants. Tout d'abord, l'amélioration du cadre de vie et l'aspect environnemental, puisque ça va être une parcelle développée via des biotechnologies qui va être accessible à n'importe qui, comme on vient de le dire. Et en plus de ça, le côté participatif et la cohésion sociale sera amené par les projets dans lesquels les gens pourront s'investir et le fait que la parcelle est accessible à tout le monde. C'est un sujet qui touche à énormément de personnes, et je dirais même à tout le monde, la nature comme le bien-être, comme la reconnexion des personnes entre elles et à mieux vivre.